Aujourd'hui, je te propose une méditation avec la fleur du lotus. C'est une méditation qui amène vers le calme, la sérénité et la présence. Installe-toi confortablement dans une posture que tu choisis pour te permettre une détente totale et une écoute attentive. Laisse le corps se poser et se déposer. Invite le calme à prendre place à l'intérieur de toi, dans le corps et dans l'esprit. Tes respirations deviennent lentes et profondes. Longue inspiration. Et longue expiration. Les respirations se succèdent comme un cycle qui n'a ni début et ni fin. Visualise un bouton de fleur de lotus aux couleurs blanche et rose pâle. Il est entouré de larges feuilles vertes et circulaires flottant sur l'eau et puisant une partie de leur nourriture dans la boue. Tout au fond de l'eau. Chaque respiration symbolise une journée et une nuit qui s'écoulent. À chaque inspire, la fleur s'ouvre sous les premières lueurs de l'aube. À chaque expire, la fleur se referme dans le crépuscule. Sous le soleil de midi, la fleur est grande ouverte, dévoilant son cœur qu'elle réchauffe au soleil. La nuit, elle retourne vers le repos, dans l'antre de ses pétales. Peu à peu, tu ne fais plus qu'un. Avec cette fleur de lotus, et tu adoptes ce même cycle. À chaque inspire, sous la lumière du jour qui s'intensifie, le corps grandit, se déploie, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet du crâne, et dans toutes les directions.
À chaque expire, quand la lumière décline, c'est un retour vers l'intérieur, offrant un moment d'intériorité, d'ancrage dans vos points d'appui, dans vos racines. En pleine expansion, le cœur s'ouvre et se réchauffe au soleil. Peut-être le souffle peut-il se suspendre un instant, flotter dans la lumière. Le soir, c'est le retour vers soi. L'obscurité qui t'enlace. Le ressourcement. Le contact avec l'âme. Avant l'inspiration, le souffle pourrait se suspendre un instant et demeurer dans le vide qui précède toute création. C'est comme un bercement, une connexion avec le cycle perpétuel de la vie. Chaque respiration amorce un nouveau cycle. Peu à peu, la fleur commence à s'éloigner.
Laisse le souffle aller. À l'écoute de ce qui est présent dans l'instant. Prends un temps d'accueil avant d'ouvrir les yeux pour terminer la séance.